Le camping du Pont Couvert est situé à Waterville, en Estrie. Camping du Pont Couvert is located in Waterville, in the Eastern Townships of Quebec. Ce camping est entouré de deux magnifiques rivières. Il propose environ 150 terrains, allant des sites rustiques aux emplacements plus modernes avec tous les services. This campground is surrounded by two magnificent rivers. It offers approximately 150 sites, ranging from rustic to full-service sites. Le pont couvert de Milby, construit en 1873 par les frères Robert et John Hood, est situé à Waterville, en Estrie. Ce pont, de type Town Sample, est l'un des plus anciens exemples de ce type de structure au Québec. Il a été cité monument historique en 1992. Le pont a subi plusieurs rénovations au fil des ans, notamment en 2007 pour préserver sa structure unique en bois. Located in Waterville, in the Eastern Townships, the Milby Covered Bridge was built in 1873 by brothers Robert and John Hood. This Town Simple type bridge is one of the oldest examples of this type of structure in Quebec. It was designated as a heritage building in 1992. The bridge has undergone several renovations over the years, notably in 2007, to preserve its unique wooden structure. Le sentier du marais de la Rivière-aux-Cerises à Magog est un magnifique site naturel situé entre le parc du Mont-Orford et le lac Memphremagog. Il offre environ 4,1 km de sentiers sur pilotis et en forêt, traversant divers écosystèmes comme une tourbière, une forêt humide, une cédrière et une érablière. Les sentiers sont accessibles gratuitement et conviennent à tous les niveaux de randonneurs. Marais de la Rivière-aux-Cerises Walking Trail in Magog is a magnificent natural site located between Mont-Orford Park and Memphremagog Lake. It offers approximately 4.1 kilometers of trails on raised wooden walkways and through a lovely forest, crossing various ecosystems such as a peat bog, a humid forest, a cedar grove, and a maple grove. The trails are accessible free of charge and are suitable for most everyone. Le parcours des quatre clochers à Cookshire-Eaton est une promenade historique qui met en valeur quatre magnifiques églises de la région. Il vous permet de découvrir le riche patrimoine architectural et historique de la ville. The Four Bell Towers route in Cookshire-Eaton is a historic walk which highlights four magnificent churches in the region. It allows you to discover the rich architectural and historical heritage of the city. Parc des Braves, also in Cookshire-Eaton, is a charming site located in the heart of the village. The park is known for its Kalanish, an arrangement of standing stones similar to those found in Scotland. Le Parc des Braves est un lieu charmant situé au cœur du village. Le parc est également connu pour son Kalanish, un arrangement de pierres debout similaire à ceux trouvés en Écosse. Le pont couvert John Cook est l'un des plus anciens ponts couverts du Québec, construit en 1868. Il est nommé en l'honneur de John Cook, l'un des premiers colons de la région. En 2015, il a été restauré et repeint, mais les accès au pont sont barrés depuis 2019. Built in 1868, the John Cook Covered Bridge is one of the oldest covered bridges in Quebec. It is named in honor of John Cook, one of the first settlers in this region. In 2015, it was restored and repainted, but access to the bridge has been blocked since 2019.